Et plop les gens. On continue basement, du coup la même mission où il faut sauver le soldat Sid. Donc cette fois je vais laisser je vais laisser un de mes soldats s'occuper d'ici. Je l'ai fait remonter, battery bokeh, je crois que c'était Jason qui s'appelait lui. Ce sont les Jasper, voilà. Tac tac tac, tout a l'air d'aller bien. Je reste au ralenti puisque reprise, même si ça fait 5 minutes. Je revérifie. Oui, toi tu vas te soigner, donc ça va aller. Par contre, ici il n'y a toujours pas assez de production qui arrive, de produits qui arrivent. Donc potentiellement, soit vraiment produire au même endroit, soit avoir un autre endroit qui fait que de la prod pour lui envoyer. On va essayer d'avoir nos trois soldats qui ont continué à s'entraîner. Et on va envoyer ces trois-là pour défendre. Ah oui, bah oui. Non, mais du coup, à chaque fois, j'oublie, mais... Je dis que j'ai pas de stock ici, mais en ayant... Hop là, en ayant... comment ça s'appelle ? Un deuxième camion, ça devrait aller un peu mieux. Et qui fait un bad trip, ça a l'air de se passer. Comment tu t'en sors? J'ai pas fait gaffe, tes PV ils montent ou ils descendent en ce moment? 13, ils descendent. Si je t'en redonne un stock tout de suite, qu'est-ce que t'en dis? Tandis que tes PV remontent instantanément. Donc c'est pas mal. J'espère là qui était censé être arrivé. Hop, toi, tu vas là. Oh, t'es rapide. Ah ouais, maintenant je peux courir comme une folle. Et si je m'entraîne dans la salle d'entraînement maintenant, je vais devenir super forte aussi. Ouais, la puissance fois la vitesse, ça veut dire la fin de tous nos ennemis. Non. Enfin, maintenant, on les tue tous. On doit mettre fin à tout ça. On doit arrêter Miguel. Les gars, vous avez fait que moi? Hein, t'as même pas besoin de demander à... On va le repeindre en vert. Donc là elle a 3 de vitesse, donc elle s'entraîne super vite, du coup l'entraînement elle aura du souffle pour le maintenir. Cet endroit là pour un... punaise. Ça m'a l'air pas mal. TPV monte ou descend de 33 à 32. Si je t'en donne dès que ton
Sans infini, ça a l'air de fonctionner. Dès que le camion arrive, les gars, vous repartez. Alors, pas vous trois. Et vous quatre. Et Eric, il va se soigner ici. Ça ira bien. Je sais pas pourquoi je le sauve cet endroit, hein, parce que j'en fais rien, mais il y a de quoi en faire un endroit de prod en fait, tout simplement. Je pourrais avoir 4 producteurs et du coup les camions viendraient chercher ici. Non. Toi ça va. Butez-le. Tu vas te soigner là. C'était qui? C'était Derek que... Bah tu viens aussi du coup. Je crois que j'en avais laissé un là. Ouais bah si c'était toi. Je vois pas pourquoi le curseur je ne le voyais pas. Pistolet. Au pire hein, il lui manque que 2 PV. Donc si on a dit potentiellement on pourrait embaucher plus de monde. Question que tous nos... Comment ça s'appelle? Chaque fois j'oublie ce mot. Hein. Que tous nos trucs ou nos, tous nos vestiaires sont pleins, on dirait. Toi, je pense que t'es amélioré, donc ça devrait suffire 1 pour 4. Là, tout le monde est en train de venir ici, normalement, donc on va bien. Même sa vie va bien, donc... pour le moment, ça va. Les soldats, toi, 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 pas toi. Logiquement, il y en a un qui reste ici. Et non, lui, il avait fini de se soigner, ok. Il y en a peut-être deux qui restent ici, du coup. Travis et Derek, ouais. Il y en a deux, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de la soigner, elle, régulièrement. Ça, on peut vendre. Ça me fait un peu de cash. Ça, on peut l'améliorer avec les trois mêmes améliorations de d'habitude. Très bien. Bon, je revérifie un tour s'il n'y a pas des postes de travail qui font rien.
toutes les ventes sont occupées. Lui, il est pas occupé. Les trois postes devant sont allumés, les deux postes devant sont allumés, ouais, donc tout a l'air de tourner, on va dire. Petite question bête, mais si je te dis d'aller là, est-ce que je peux genre... de laisser te soigner indéfiniment? Comme ça, il y aura tous mes soldats et peut-être que je ferai une attaque quelque part. On ne sait pas trop encore. Qu'est-ce que je peux attaquer? Soit j'attaque les bâtiments pour pas qu'ils partent de là. Soit j'attaque directement le QG en mode on essaie de finir la mission hein. En vrai toi si tu vas te soigner qu'est-ce qui se passe? T'es parfaitement stable, hein. Tu augmentes même un petit peu de TPV, ce qui est pas plus mal. Hop. On améliore le vestiaire, enfin les deux vestiaires. Le travailleur est mort. Soldats, pas ceux qui s'entraînent. Alors toi tu viens d'où? Oui. 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 Et toi non, c'est ça. Toi je sais pas trop d'où tu viens. Alex. Donc non. Alex. Va t'entraîner là. Que tu vas pas bien, mais reste à te soigner, quoi. Ouh, il y avait qu'un gars, mais il était armé d'une grosse mitrailleuse. Sortir. Elle va super vite alors que je suis au ralenti, j'ai l'impression qu'elle va plus vite que quand je suis pas au ralenti.
Alors ici, qui on peut emmener? Vous tous. Pas toi. Non, mais même pas toi en fait. Si. Il y a un endroit pour soigner, on sait jamais. Je fais plus de prod ici, ça peut être utile. Hein. Où est-ce que tu vas? Non, mais non. C'est beaucoup trop loin de tout pour que tu t'autorises à faire un déplacement si long. Pendant ce temps, du coup, est-ce qu'on a d'autres armes? On dirait bien que oui. On a même de l'équipement pour ceux qui n'ont pas besoin d'armes. Ça. Venez là. Ça coûtera pas grand chose et ça vous soignera bien. Ouais, non. Au moment. On n'a pas assez d'espace de stockage ici. En vrai. Alors toi, ce qui serait cool, c'est de la production, ça c'est de la production, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu... vous enseigner de la production, ça c'est de la vie. De la vie, c'est bon pour la chair à canon. Et la chair à canon, c'est genre... Bon, allez. Ah mais le... Ah peut-être que le 1 ça veut dire que tu peux mettre au niveau 1, le 2 tu peux mettre au niveau 2. Ah, le M in RT. Blague geek on va dire. Vous avez jamais dit RTFM, tant mieux. Pour vous. Hop. On a dit qu'on envoyait tout le monde. Attaque du coup, Cid. Tu vas t'entraîner là. On va évidemment te donner ta petite dose. Pas que tu crèves. Mais l'entraînement, ça peut faire en sorte que ta vie max augmente. Donc c'est pratique. Oui. Ils se battent. Et alors ?
1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon, il y a bien tout le monde. Dose à 30 PV. Je rêve ou jouer avec ta 0 PV. Un gars, j'ai un Deadman Walking, un mort qui est en train de marcher. Il a 0 PV strictement, mais il est toujours là. Ouais, du coup, il peut venir de juste ici, ok. Ok. Mince, vu qu'il vient d'un endroit proche. C'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre tous ces endroits là. Alors toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles Cruz. Donc Tom, tu viens là. C'est un entraînement particulier, mais tu viens là. Ici, est-ce qu'on peut embaucher? Je ne pense pas, effectivement. Une fois New, c'est des dommages pour le niveau 3. Toi, apparemment, il faut que tu te soignes. Certains, je les avais éduqués en mode HP. Toi, tu as le droit à la batte de baseball. Parce que batte de baseball dit que t'es obligé de venir au corps à corps. J'ai pas pu t'embaucher, c'est dommage. C'est que j'avais dit à Yvan de venir. Combien il faut? 740. Ah oui, pardon. Il y a peu de chances que j'ai 740. Je dis ça et en fait, j'ai pas le temps de le dire. J'ai effectivement plus de 740 sur moi. C'est quoi cette tournure de phrase? Qu'est-ce que vous faites? Vous serez jamais libre. Allez, bouffe ta green, bâtard. La justice triomphe. Tout sauf ça. On n'a plus qu'à en finir avec lui et son business sera à nous. Ou alors avec cela, peut-être. Hein? Oui, voilà. Donc, là tout de suite maintenant. Bonjour, Clerc. Tu es avec moi, je ne savais pas. Toi. Toi, ça soigne de combien? Ça soigne un peu trop. Ton manque de PV. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait le gang vert. Be he dead. On a plus de tête.
Il n'y a plus personne qui va nous menacer de nous extorquer. Tout est sous contrôle. Hey, il y a d'autres gens dans ces cellules. Hein, ça doit être cette armée d'extra super badass Miguel. Que Miguel avait presque fini de les transformer en killing machine, en machine tueuse sans cerveau. Vous nous avez vraiment sauvé de ce punk. Ah, merci beaucoup. Soyez bénis. J'aime comment vous gars fonctionnez. J'ai essayé de me débarrasser de ce gars pendant des décennies et vous êtes juste arrivé et vous l'avez fait. Beau travail. Maintenant, plus rien ne se dresse entre moi, moi et la domination de cette ville, la domination totale de cette ville. C'est trop moche que vous serez pas là pour voir ça. Mais vous m'avez aidé à le faire. À faire que ça se passe. Et ça, pas vous l'enlever. Et non, mec, y a aucun moyen, c'est ton tour. J'ai juré sur un pacte de Green que je vais venger la mort de mon frère. Oula, misclic. C'est marrant comme gars, hein. Essaie de t'entendre avec moi, ok, Kenny Cash? Ou sinon, je te tue avant le dîner. Oh merde, je le connais, il va envoyer tout ce qu'il a contre nous. Ouais, mais t'en fais pas. Tout va bien se passer, on va être bien. Kenny, on n'est pas prêt. Tu vois pas ce qui se passe en ce moment dans nos bâtiments? On doit buter tous les gars de Miguel et avoir une prod normale. Ouais, je veux qu'il meure. Vous en faites pas, les gars. Je pense que j'ai une idée. On a sauvé ces pauvres gens. Bien sûr qu'ils voudront nous aider. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr. On a une dette à vie envers vous. On est avec vous. On peut vous aider. On vous aidera. Seulement, il y a quelque chose qui va pas avec moi. J'ai besoin d'un peu de pourpre et de green. S'ils étaient entraînés comme moi, notre armée serait invincible. Et super, faisons une pile de green pour plus tard. Mais vite. Tupo est clairement en train de préparer une attaque. Non. Ah. Mais bien sûr. Donc ici, je suis pas censé avoir trop de soucis. Est-ce que on peut... Non, on peut pas en embaucher. Ici, je m'en fous.
On a 4 qui ont ici. Ici, il n'y a personne qui attaque. Trop bien. Ici, non. Il y a quelqu'un qui attaque. Vous, vous allez là. Passer, c'est abusé. Alors, vous avez besoin d'un petit peu de green, est-ce que je vois? Et de quoi? Alors, on va vendre ça. Ça aussi. On va améliorer ça. Pour mes soldats. 1, 2, 3. Ça c'est quoi? Une salle des serveurs. Oh, max en plus. Débarrasser du clan de Tupo maintenant. Donc la mission est bien plus longue que ce que je pensais. Il commence vraiment à nous faire des missions en plusieurs étapes. Est-ce que j'ai oublié de mettre des soldats ici? Peut-être. On va te réfugier ici. Kenny, dégage! J'avais dit de courir. Ah, je reprends de là. Oh, mais non. Je pensais que ça avait sauvegardé du coup. Bon, bah super. Ah oui, il y a cet endroit là que j'oublie à chaque fois. En fait, je pense que je vais prendre tous les endroits. Et j'attaquerai l'endroit de Tupo en dernier. De Miguel en dernier. Ah mais du coup, je suis plus dedans quoi.
Qu'est-ce que je peux faire qui soit intéressant? J'ai besoin d'une armée énorme en fait. J'ai besoin d'une armée énorme, donc de beaucoup de production et vente. Et malheureusement, de faire attention à elle toutes les 30 secondes. Je vais tout reprendre. Je pense que je vais tout reprendre. Parce que si je reprends tout, ça va me permettre de... Bah de produire à plein d'endroits, d'avoir une énorme économie. Et au moment de tupo, que je réfléchisse, qu'est-ce que ça fait. Au moment où tupo va attaquer. Il y avait l'arme qui était au corps à corps, évidemment. Ah, ici, je peux embaucher 3 gars, j'avais dit. Celle-là, je peux pas. Et plop, Linawen, comment tu vas? Non, c'est pas lui. Un vendeur, où est-ce que je peux avoir un vendeur? À la base, c'est ici hein, que je veux mes vendeurs. Et ben, ça va bien, moi aussi. Comme tu vois, je fais dans le trafic tout à fait standard et légal de vert, pourpré et marron. Voilà. Ouais, elle dure un peu 1000 ans et surtout j'avais recommencé plusieurs fois. Enfin, j'ai... Heureusement que ça recommence pas du début à chaque fois, mais... Mais ça me fait recommencer quand même une partie de la mission. Et du coup je la fais au ralenti pour être sûr de pas trop faire de bêtises. Du coup ça dure à chaque fois. Chaque essai dure encore plus de temps. Ouais. Ici il n'y a clairement pas assez de prod, on l'avait déjà vu. Du coup on vend ça. Faut qu'on embauche Fred. Et Fred va produire du marron quand même. À la base, je lui avais demandé de faire du vert, mais... C'est où c'est toi, Fred? Mais le marron, ça... se vend plus cher. Ok, le vendeur qui est tout seul, Fred. Non, il n'y a pas un vendeur qui fait rien. Normalement, il y a un vendeur qui fait rien, au secours.
j'ai recruté toi, Duane. Peut-être que t'étais en combat, je sais pas. Duane. Vous venez là. Mes soldats sont morts, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, ça me fait moins de masse salariale, hein, on va dire ça comme ça. Je suis quand même obligé d'en avoir au moins un autre. Mais... Et elle qui remeurt derrière. Si au moins il y avait dans les notifs sa barre de vie ou ce genre de choses. Bon après ils essaient de nous entraîner à prendre soin d'elle pour que plus tard dans la mission les autres Jenkins on s'en occupe théoriquement bien. Mais je doute que ce soit efficace. Que tu vas là. On va vous entraîner. On va vous patienter pour l'entraînement. Ici on a vu. Je vais faire une sauvegarde manuelle aussi. Je pense. Électricité, oui, choupi. Est-ce qu'il y a des trucs, quoi qu'il arrive, je les changerai pas, genre tout ça. Il y a vraiment trop peu de chances que je change des choses. Du coup, si je pars dans l'idée de faire une sauvegarde manuelle, autant qu'elle contienne le fait que j'ai démoli toutes les cellules. C'est bon. Ici, on va vendre ça. Ici, on a déjà tout vendu. Ici ça va être long. Quoi? Non meuf, non, non, tu reviens là. Non, ça par contre vous pouvez vous améliorer. Sauvegarde faudra la faire sur la tête de la junkie, sinon je me souviendrai pas qu'il faut la garder en vie. Enfin c'est logique de garder les gens en vie, mais je me souviendrai pas qu'il faut faire attention à ça. Ici il faut faire ça. Ici je pourrais avoir de la vente, je sais pas. Je sais pas si c'est utile ou pas. Ici on peut embaucher deux personnes. Et okay.
540. Allez, la prochaine vente, non, quelle que soit ma franchise. Ouais, il y a un petit peu la queue devant. Du coup, c'est pas du tout grillé que des choses étranges se passent dans ce garage. Bah en fait, ils sont 3, plus 5, plus 7, plus 7, plus 7. Au maximum. Au maximum. Après, je sais pas s'ils sont vraiment autant que ça. Toi, on te redonne un petit peu de boost et on se garde ici. C'est bien. Voilà. Ah non, on vend ça, on fait du brown ici, on embauche quelqu'un pour le faire, on se remet là-dedans, on la sélectionne, je sais pas si ça fonctionne, hop, si ça garde la sélection, et on sauvegarde. On est d'accord que j'ai mis deux véhicules, oui. Là, vous venez. Il prend sa pause, puis il prend sa pause soin. Ben, certaines personnes n'ont pas eu de salaire, mais ça devrait se régler tout seul. Que j'ai fait beaucoup de dépenses récemment. Wow, t'es rapide. Bref, ça fait 5 fois qu'on le voit, ça. Quand elle a ce dialogue, il faut la re-soigner. Et en vrai, je pourrais l'entraîner pour qu'elle gagne ses PV, mais tant qu'à faire, autant qu'elle ait sa stamina max, comme ça. Théoriquement, lui aussi, mais ça a pas l'air d'être le cas. Vous devez venir, s'il vous plaît. Donc là, j'attends minuit qu'ils soient tous soignés. Et juste après l'attaque, je vais attaquer cet endroit-là. Vous êtes sérieux? Le gars qui a le fusil, c'est le seul qui est resté à la porte. Oh là là. Bon alors du pourpre. Pour la production. Ouais bah ça par exemple j'ai oublié de les resélectionner. Donc si on sauvegarde, enfin si on recharge, je les donnerai et je re-sauvegarderai. Je voulais. Oui, et des dégâts. Contre, vu que tu te blesses déjà tout seul, il faut que tu te soignes tout seul aussi. Ouais, ça se compense théoriquement. Hein. Si ça dure autant de temps, ça se compense. Ici, il faut donc embaucher. Deux personnes. Mec, où est-ce que tu vas? J'en ai pas la moindre idée, mais à chaque fois. À chaque fois, j'ai pas le temps. Ok. Donc lui est sous perfusion pour se soigner. Ça devrait aller à peu près.
dans un moment. Il reste 2 PV. J'ai repensé à toi au bon moment. Alors toi t'es libre, tu viens là. Ça c'est de la stamina, oui. En vrai, ici... Ils reviennent là ? Très bien. C'est le meilleur endroit où vous pouviez revenir. Évidemment, je m'en doutais. Et elle remeurt. Faut pas l'oublier toutes les 10 secondes. Donc on a dit. Déjà on n'est pas sur elle, ok, c'est pas si grave. Il dit qu'on avait des affaires à donner à tout le monde. Tac tac, petite sauvegarde. Voilà, 44 PV, 45 PV sur 42, c'était marrant. Et là, dès que la barre de vie fois 1,5 diminue, potentiellement... Ah non. Soldats, vous venez là. On a le producteur de plus, on a... On a tout ce qu'il nous faut, hein. Sauf la survie de la demoiselle. Qui a pris, c'est très bien. J'ai l'impression qu'ici on produit même trop par rapport à ce que les camions veulent bien transporter.
pas la laisser 30 secondes. C'est bon. Mais dans l'idée, je pense vraiment que... on peut mettre plus de... on peut avoir plus de véhicules, ça ne nous fera que du bien. Garder en vie jusqu'à ce moment-là. En vrai, peut-être inverser avec lui. Je sais pas. Pas de soucis, j'ai des soldats là, mais en fait ils sont en train de s'entraîner donc ils sont pas prêts à réceptionner. Et vu que c'est des gens qui sont entraînés, c'est relou de les perdre. Qu'il est occupé, même si le jeu ne me l'indique pas en tant que tel. J'ai plus la flèche qui m'indique de où vont venir les gens. Ça, c'est bien triste. Non. Je sais pas où tu vois de la police. On les repère bien les policiers, normalement il y a... il y a de quoi les repérer, ok, elle est toujours en vie de beaucoup. Il n'y en a aucun de vous qui veut aller là. Ah non, il y a un autre combat qui s'annonce. Alors... celui qui a le pistolet, je le sélectionne et tu vas là. Et il y a quand même eu un mort.
Et ici, on va embaucher un soldat. D'ailleurs, pendant que j'y pense, c'est quoi la différence déjà? J'ai l'impression qu'ils ont juste un PV de plus et beaucoup de dégâts en moins. Et voilà. Et ils demandent pas moins d'argent, ils ont pas plus de stamina. Non. J'ai regardé juste avant le combat et elle allait bien. Ici. Ok, en fait, faut, en chargeant, faut direct aller la soigner. Vu que de toute façon, c'est juste le moment où il y a la cutscene, et je savais qu'elle résistait à la cutscene, mais... pas bien longtemps. Ils ont des mitrailleuses et tout. Tu vas venir ici, embaucher personne. Je vais vouloir un videur dans chaque bâtiment. Ah oui, au moment où... Oh, elle meurt tout le temps. Déjà, je me demande comment j'ai réussi à... Ah si, c'est parce qu'à un moment, je l'ai fait travailler ses PV, du coup, elle a arrêté de m'embêter. Ou genre juste là, je la mets à soigner. Non mais même la mettre à soigner, ça suffit pas parce qu'elle réussit à se soigner plus vite que... Oh, c'est la misère. La misère, cette mission. Il y a deux camions complets qui arrivent. Un qui s'arrêtait là et un qui devrait aller ici. Ok, loin. Pourquoi... Pourquoi t'es venu te mettre au corps à corps? Tu as une punaise de mitrailleuse. Hmm.
Je ne comprends pas tout. Ah là, j'avais oublié d'en sélectionner un. Et elle qui remeurt. Oh là là. Genre, avant et après chaque attaque, faut que j'aille venir la voir, quoi. Babysitter le plus possible. Elle s'entraîne vite, c'est vrai. Mais bon. Encore lui. Heureusement que je me suis mis au corps à corps. Non, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Enfin, qui m'a jamais été drop à moi. Il peut mourir d'épuisement, d'entraînement. Non, normalement non. Par contre, il faut qu'il aille sur le canapé se reposer régulièrement. Sinon en fait quand ils ont, on va dire, la mauvaise humeur, mais c'est plutôt la stamina en vrai, ils s'entraînent, enfin ils font tout leur job à deux à l'heure, quoi. Même eux qui produisent des ressources, on va dire, ils produisent beaucoup beaucoup moins vite si jamais ils sont fatigués. Allez, le dernier. Parce que j'avais demandé deux entrepôts. Juste quand j'allais m'occuper de... Au final, oui, il faut lui faire s'entraîner au physique plutôt qu'au cardio. Ça permet de pas la micromanager trop souvent, et elle gagne beaucoup 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 de PV plutôt vite. Enfin, beaucoup de PV max plutôt vite. Thank you.
Je sais plus où ils étaient avant. Ici, ouais, il s'est soigné. Je sais pas trop. Ah, toi, t'es... Ok. Du coup, on va faire... Les salles d'entraînement ici. Hein. Et mince, j'aurais trop attendu. Va se passer ici, il faudrait que je puisse embaucher au moins un gars au cas où. Ok, ils sont arrivés à temps. C'est lui. Alors ici, j'aimerais bien deux salles comme ça. Encore plus, j'ai déjà oublié d'emmener des soldats, c'est pas grave. Sinon, si ils sont, on va arriver, mais trop tard. Oui, si on va en embaucher deux. Hein. Ok. Ok, ils reviennent là, donc c'est parfait. On va faire des ventes. Ouais, pas besoin d'endroit high-tech. Toi, tu t'ennuies. Toi, tu dois t'ennuyer. Toi, tu dois t'ennuyer. Tout se passe comme pas prévu, mais mieux que les parties d'avant. Non, elle a 420 PV de base maintenant. La lance-roquette à tête chercheuse afin de te défendre. Ce serait pratique. Je vais pas te dire de bêtises, ce serait très pratique. Ici, on va mettre du stockage et on va mettre des producteurs qu'on peut. Et mince. C'est dans ces cas-là qu'on embauche un gars ou deux. Et j'ai cliqué. C'est bien parce que petit à petit j'embauche des gens.
j'embauche des soldats, je veux dire. Et embaucher des soldats, ça me permettra de mieux me défendre plus tard. Ici d'ailleurs. Je commence à en avoir beaucoup. Juste après l'attaque. Comme ça, je vais pas vider cet endroit-là sans faire exprès. Ici j'avais dit que c'était de la prod, mais pour ça il faut des gens. Alors si c'est Mion, Ryan et Nicolas. Tous les autres. Parce que toi tu es là, donc c'est bon. Mion, tu es censé être là même si on te l'indique pas. Nicolas, pareil. Geoffrey, tu es là, donc tu peux venir. Dean, tu es là, donc tu peux venir. Et Ryan. Ryan, tu dois être là-bas. Vous, vous venez là. Oh, elle va super vite. Et là, j'ai au moins 2 soldats. J'ai bien mes 3 soldats. Et eux. Non, attendez une seconde. Mais tire! Punaise. Ah. Pistolet en main et tu ne veux pas tirer. Toi tu te mets là, toi tu te mets là. Non, tu te mets là, tu viens là. Tu viens là. T'as déjà plus de vie alors que t'es censé être vie max. Ouais, eux leur vie elle augmente pas alors qu'elle est à 400. Ça n'a aucun sens. Oh là là, et du coup j'ai pas vu. Toi tu viens. Ryan tu viens, mais t'as besoin de ça. C'était Myrion ou c'était Emilio? Non, ça devait être Myrion. Suppose. Pourquoi elle saigne la fatigue? Non, en fait, elle était détenue par Miguel, donc lui, dans une cellule comme ça, et en gros, il l'a forcé à prendre du pourpre. Alors, si tu connais les drogues, tu sauras sûrement mieux que moi à quoi ça correspond. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Et pour de vrai. Hein. Et du coup, avoir pris des doses de drogue à l'infini pendant autant de temps, ça tape sur le système, quoi, en gros. Soigne-toi, merci. Non, tu vas crever ici. Emilio, il est où? Non, non, bah non, non, là, je peux rien faire.
juste vous donner ça. Et du coup, elle est en désintox, voilà. En gros. Passer d'espace de stockage ici. En même temps, je produis trois trucs différents. Alors vous, vous êtes libre, vous venez là. Même si vous allez être en retard pour changer. Toi, faudrait que tu te soignes. Et ici, du coup, vu qu'ils vont être en retard, on embauche quelqu'un. Si tu veux t'en sortir. Alors ici... Toi t'as fini de t'entraîner? Très bien, et bah va là-haut. Va même ici. Toi tu viens à peine de commencer. Toi t'as bientôt fini ça, tu vas te faire faire les muscles. Toi c'est plutôt là que je voulais hein. J'ai pas fait venir les gens. Est-ce que ça change de d'habitude? Non. Il y a deux blessés, je vais les faire venir ici. C'est là qu'il y a le plus de postes de soins. Et je crois en toi, Derrick. Alors, c'est quoi? C'est le... Ça et... ça. Là, tu saignes, mais ça devrait aller. Du coup, tout le monde est en trajet pour venir ici. Et ils vont attendre que lui arrive. Ouais mais Owen, non. Tu vas là. Toi tu vas là. Tu vas là, toi t'es quoi? Toi tu vas aller là-haut. Tu peux aller là. Je vais les gérer avec eux. Avec mes vendeurs. Ouais, non. Bonjour, toi tu as le droit à un pistolet. Tu as le droit de faire plus de dégâts.
sortir. Moi, si tu veux pas de pistolet, hein. Où est-ce qu'il va aller, lui? À qui vais-je devoir donner une arme? C'est quoi qui fait le plus de dégâts? La batte. Donc ici, on en a besoin d'embaucher toi, toi. Et toi? Là, c'est bon, on a le comité d'accueil. Emilio, select, qu'est-ce que tu fous, Emilio? Emilio va entraîner ta stamina. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là? Toi, t'es bien. Toi, je te sélectionne. Je t'éloigne un petit peu. Il faut pas que tu sois au corps à corps, toi. Le reste, ça m'a l'air d'être bon. Nous sommes plus d'argent que ce qu'on produit quand même. Mais en vrai tout ça c'est parce que ici les camions veulent pas prendre. J'aurais pas dû mettre de vendeur ici. Et en faire un endroit full production comme ça les camions viennent ici. Et s'en débarrasse ailleurs. Et genre là, avoir un mini truc de prod peut-être. Pour la... Ouais. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est le mieux. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vends tout? C'est pas là, je peux se tromper. C'est là. Weston. Toi, tu dois être à l'entraînement normalement. Avec qui tu veux te battre, toi? Mm-hmm.
toi, Emilio, tu devrais bosser. Emilio, c'est un gros tir au flanc. Il est où, Emilio? Non. Non. Emilio, tu dois faire ta stamina. J'attaque ici parce qu'ils ont un accès trop rapide à toutes mes branches. Et j'ai fait encore. Toi, si je te donne pas ça, par contre, tu vas crever normalement. Et même en te donnant ça, je suis pas sûr que tu résistes. Allez, mais tape! Oh punaise! Vous arrêtez pas de faire des voyages, c'est bien. Un quatrième? Vous venez là, Jonathan, tu vas venir ici. Tu vas me rendre ta batte de baseball, tu vas reprendre ça. D'ailleurs mes trois soldats, ouais, je peux leur donner des nouvelles armes en fait depuis le temps. Uch. Ils vont pas y arriver à temps. On va sauvegarder ici quand même. Alors toi, on te donne ça. Et on te donne le pouvoir de taper plus fort. Alors, les trois soldats. Et là.
C'était où? C'était ici. On a besoin d'embaucher quelqu'un. Que j'ai un endroit où je peux embaucher 5 vendeurs. 1, 2. Oh, 4, 5 à la limite. Hein. À la limite, je mets des vendeurs ici en bas. Et je l'offrais. Bon. En vrai, on va attaquer ici avec tout le reste. Alors à Cid, on va lui donner un bouclier. Aux autres, toi t'as des dégâts bonus. Ouais mais non, mais t'as des dégâts bonus, mais tu vas à 2 à l'heure, puis t'es pas encore à stamina à fond. Toi t'as stamina à fond. Voilà, toi t'as stamina à fond. Toi t'as un peu des deux dans toi. Toi t'as un peu des deux. Voilà. On va voir comment ça se passe. Si ça se trouve, elle va tuer tout le monde à elle toute seule. Et c'était ça la solution. Center, poison skin avec type purple quoi? Ici, d'accord. Non mais j'aurais jamais le temps d'envoyer des gens. Johnny et Giovanni. Un gars, vous êtes deux pour l'accueillir. Va me faire croire que vous allez pas y arriver. Maintenant, vous allez à l'entraînement. Alors là, je suis en vitesse ralentie. Regardez à quelle vitesse elle court. Patates. Ah ouais, elle met des patates. Elle met des patates, ok. Ok, quand il disait super soldat, je comprends mieux. Mais je comprends pas pourquoi elle, elle tue une super soldate alors, et pas trop les autres. Il y en a un mort, je l'ai vu qu'il allait crever, j'ai pas réagi à temps. Alors. Bon, après, il y a que un mort. Ce qui est pas trop mal. Ici, on améliore. Ici, on améliore. Les soldats. On a récupéré des nouvelles armes. Si je dis pas de bêtises. Non, ça c'était mis au pif. Stamina. Pas grave.
Ok, on a le bâtiment. Ici, on a de quoi vendre. Donc 1, 2, 3, 4. J'avais parlé d'exporter tous les vendeurs ici. Alors, tous les vendeurs, ils sont où? Ils doivent être en bas, voilà. Il y a déjà des gens qui les attendent. Alors Sid, tu es où? Tu as encore masse de PV. J'ai envie de faire une bêtise. À quel point t'es trop forte, Sid? Ici, on va avoir le temps. Ah oui, mais ils sont tous libres. On avait dit Myrion, Nicolas et Jonathan, peut-être. Vous allez là. Les autres, faudrait que vous veniez. Continue l'entraînement en fait. Elle s'en sort quand même relativement bien, sachant qu'elle fonce dans le tas et qu'elle oublie des gens sur le trajet. Oh les gars, je me sens beaucoup mieux maintenant. Le green, ça marche vraiment. T'as entendu Kenny? Sid se sent mieux. Ouais, c'est cool, mais... Je pense qu'elle a encore besoin de cette pack de green. Et après, elle sera plus un super junkie non plus, tu sais. Elle a tellement aidé, c'est trop bête de perdre un si bon combattant. Allez, allez. Effectivement. Bien ce que je me disais, c'est les super junkies qui sont juste trop forts. C'est bon. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui est là pour protéger. Ah bah oui, mais il y a Kenny du coup qui s'ennuie. Bah Kenny s'ennuie, voilà. Alors les trois combattants, Nicolas, Myrion et Jonathan, vous venez là. En fait c'est ça, c'est les super junkies, on peut les envoyer combattre bien plus facilement. Ils sont bien plus forts que eux. Ici on va retourner
avec nos trois héros préférés, Mirion, Nicolas et Jonathan, ou plutôt Oliver, Olivier. Et Mio, il est où? Il est là. Mio, il a besoin d'entraîner sa stamina. Bon, en fait, j'aurais dû inverser. Jonathan, en fait, tu vas venir ici. Merde, j'ai oublié de les double-cliquer, ceux-là. J'ai oublié de les sélectionner. Mirion et Olivier. On est là. Ici, au final, on peut emmener Kenny. Et embaucher Frédéric. Elle va prendre 2000 ans à se soigner ici, mais bon. C'est pas grave. L'un après l'autre, même si c'est un peu lent. Celle de soin là-haut. Non, une seule. Une seule devrait faire l'affaire. Salaire, pourquoi? Parce que c'est le moment. Oh, il y a plein de cas rental ici en fait. J'ai l'air d'acheter un nouveau véhicule, mais on peut peut-être en acheter même trois. Parce qu'ici, ça fait quand même un deuxième endroit où on fait que de la vente. Deux endroits où on a que de la vente, c'est peut-être beaucoup. On a deux endroits où on fait que de la prod. Donc en soi, je ne sais pas trop. Green vient au Brotel, c'est parfait. Ici, oui, j'ai pas... Voilà. Hein ? On prend le temps et tout, mais... Green et Brotel, mais normalement tout se passe bien. Tout a l'air de s'être très bien passé. Elle met toujours ses 2000 ans à se soigner, mais c'est normal puisqu'elle a 2 millions de PV. Ouais, je pense qu'on peut attaquer ce bâtiment. Ouais, avec ses
peut-être là. En vrai, elle aurait pu se soigner, elle aurait pu nier, je sais pas. Ouais, ici il faut de la prod. Il faut de la prod. Hop. Non, j'ai pas les sous, d'accord. Alors on va embaucher à la place. J'ai pas les sous, donc on va rien faire. Ok, avant que tout le monde se barre, on va tout vendre. Ah. Gagner un peu de thunes. Faut juste acheter peut-être une pancarte, bureau à louer pour faire genre, mais... Ça on peut pas. On peut avoir un vendeur ici. Ça nous coûte énormément de temps de trajet quand même. C'est loin de ce qu'on peut appeler optimal. J'ai pas fait gaffe, bah tant pis. Voilà, ça va. Ça va aller. Salut, c'est mon pote que je voulais sélectionner. Tu n'as rien, tu as le droit à ça. Je sais, c'est pas une arme. Je te l'ai donné, alors t'as pas intérêt à crever maintenant. Ici, tac tac tac, ici on pourrait faire une salle de vente. Embaucher un nouveau vendeur. Faire venir. Non, pas toi, t'es trop mal en point. Et Sid. Et Sid, allez. Ah. Ici on n'a pas assez de stockage. Attendez. Celui-ci on peut le vendre. Ok, non, c'est bon, c'est tout ici. Thank you.
Hop. Elle s'est occupée de tout le bas pendant que eux s'amusaient juste un petit peu en haut. J'avais un peu oublié ce détail. Après, elle est tellement forte. Et vous, vous descendez pas. PV, 60 PV, c'est encore raisonnable. 30 PV, c'est, ça l'est plus. En plus, elle perd 20 PV par jour. Bonjour. Ici, je suppose qu'elle peut, je peux pas la faire venir tant qu'elle est, tant que le bâtiment n'est pas à nous. En tout cas, d'habitude, c'est ce genre de choses qui se passe. Alors, on fait deux voyages. Le premier, c'est Sid. Et le deuxième, c'est tous ceux qui ont pas beaucoup de vie. Pour vous soigner et vous entraîner très peu peut-être, l'entraînement, mais... Toi tu vas te mettre là, toi tu vas te mettre là... Toi tu peux te mettre ici... Toi tu vas pouvoir te mettre là... Tac. Vous allez là, les autres. Non. Toi, ce que je veux, c'est que t'es ici. Ou même là, en fait. Vous allez là, ici, toi je t'avais pas vu mais t'es quasi full life, tu viens ici. Je fais un épisode de 2 heures alors que je disais déjà que l'épisode d'avant était trop long. Désolé. Et comme vous vous en doutez, vous avez remarqué tout ça, c'est pas facile. Il y a eu toute une première partie de restart de la mission en boucle parce que j'y arrivais pas. Il y a un travailleur qui est mort. Je me demandais s'il avait fini de s'entraîner, mais non, c'est juste qu'il fait le tour des canapés. Je pense qu'on faudrait prendre ça sans elle, ce qui risque d'être un peu compliqué. Alors, faut vous charger. Alors. Toi, tu es dispo.
Toi, tu es dispo. Toi, tu es dispo. On la met sur, sous perfusion pour pas la soigner totalement. Ce qui est un peu étrange comme concept. Je trouve. Le bretelle, très bien. Pistolet, tu te mets là. Accélère un petit peu. Tâterait de je sais pas quoi. Ok, pas de soucis. Que j'ai des armes et tout ou pas en stock? Ah oui, j'ai masse de trucs en stock. Ça, je l'ai un peu donné au pif. Non, toi tu es lent pour le moment, donc plutôt un pistolet. Toi tu es lent, donc pas grand chose. Toi tu es rapide. Les rapides ont déjà tout ce qu'il leur faut. Toi au cas où, je sais pas moi, ouais. Ensuite tac. De la production améliorée. De la stamina pour un vendeur. Voilà. J'aimerais juste qu'elle soit quasi totalement soignée. Et que... non, j'aimerais juste prendre ce bâtiment avec les autres. En fait, on va dire les choses clairement. Pas assez de place encore. Eh bien, on vend ça. Ils prennent leur temps. Eux sont là. Il va mourir. Non, c'est bon. Pas lui qui a pris le coup. Mire, c'est celui au pistolet qui il va être mort. Non, c'est bon. Tu peux pas tirer, t'es au combat au corps à corps. Et tu as 0 PV, celui au pistolet. Tu vas te faire canarder au fusil à pompe, ça sert à rien. Rends-moi ça. Au moins t'avais eu un pote derrière, je t'aurais soigné et tout, mais là...
Tout le monde est au corps à corps, du coup c'est le moment de donner les battes de baseball. Ah, le pistolet il tire de loin. Alors maintenant, toi t'as pas beaucoup de PV, mais je peux pas te soigner mieux. Ah si. Allez maintenant, défoncez-moi tous ces junkies. Si ça se trouve en fait, prendre d'abord... Ouais, tant pis. Prendre d'abord le camp de Miguel, puis celui-ci par exemple, ça m'aurait permis de les recruter eux au lieu de devoir les buter. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas trop. Décidé à 300 sur 400 PV, très bien. Oh, il y en a un qui est mort. Ils vont tous avoir mouru. Changer. Faites-les-vous au point, les gars. Allez-y, de toutes vos forces. D'ailleurs, pendant que j'y pense, peut-être directement les ramener, puisque eux arriveront après, ils seront un peu plus en groupe. Avec les ennemis qui seront beaucoup moins en groupe. Enfin, beaucoup moins, peut-être pas beaucoup moins, mais théoriquement un peu moins. Ça met juste stratégie comme ça, moi d'habitude, hein. À prendre bien mon temps. Ici c'est blindé de ouf. J'ai jamais recruté l'IA. Donc on va mettre nos soldats ici pour le repos, on va sauvegarder et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oh. Et puis j'ai déjà sauvegardé, si ça se trouve il fera pas la même chose. J'espère que l'épisode vous aura plu, même s'il était très long. Quand tu traînes, pourquoi tu peux pas t'entraîner? Ça va t'entraîner de la stamina à la place. Même si bon, ça sert à rien, on a dit. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié le regarder. Et je vous dis à bientôt.